Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le message de cet oracle Parfum d'âme pour ce mardi 18 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, petite philosophie du matin, ami. Ne pas considérer un inconnu comme un ennemi potentiel ou un intrus, mais bien comme un ami, et l'accueillir et se comporter avec lui comme tel au lieu de lui être hostile de prime abord. Voilà pour cette philosophie de ce 18 juin. Et aujourd'hui, j'ai pigé attitude. Attitude. Le message de la carte. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Ne pas faire comme certaines personnes. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, ça se résume à ça, attitude. Pour certains d'entre vous, eh bien, est-ce que vous êtes équilibré entre ce que vous dites et ce que vous faites présentement? Posez-vous cette question. Est-ce que vous manquez de justesse et de stabilité dans vos actions ou même dans vos projets? Cette carte, elle vous invite à trouver l'équilibre, juste concernant vos aspirations et à tenir les engagements que vous vous êtes fixés pour les voir, eh bien, se matérialiser dans un futur proche, car avancer des choses et ne pas les faire jusqu'au bout, eh bien cela ne vous donnera pas plus d'assurance et de confiance en vous, mais plutôt une stagnation répétitive qui pourrait vous démotiver. Il serait peut-être temps de vous booster et faire les choses. Alors entre ce que vous dites et ce que vous faites, eh bien, il y a un monde de différence. Donc, remettez un petit peu de l'ordre dans tout ça, dans votre attitude. Il serait bon aussi de vous remettre en question de façon, eh bien, à pouvoir analyser les domaines de votre vie qui manqueraient d'équilibre, parce qu'il y a un manque d'équilibre entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc voilà, attitude, ça demande à réflexion, posez-vous les bonnes questions et vous remettre en question, ça c'est important, parce que vous êtes en décalage entre vos faits, entre vos gestes et ce que vous pensez. Eh bien voilà, je termine avec énergie de guérison. Et aujourd'hui, j'ai pigé la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe, eh bien, dans les tout petits moments magiques et non dans la matière, n'est-ce pas? Et chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Très beau message de guérison aussi. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent, passez une belle journée dans la joie, la motivation, l'empathie, l'amour inconditionnel, et puis on se retrouve demain, et d'ici là, moi je vous embrasse et je vous dis
À demain.